Bonjour tout le monde. Portez-vous bien et surtout restez chez vous. Je suis Imen Aloui, bibliothécaire coordinatrice de l'information scientifique et technique de l'École nationale d'ingénieurs de Tunis, Université Tunis El Manar, et le Centre national universitaire de documentation scientifique et technique. Je partage avec vous aujourd'hui mon expérience personnelle aussi bien professionnelle pendant la période de confinement et de quarantaine. Je ne vous cache pas qu'elle était une période folle pour moi, dont on a vécu la peur, l'insécurité sanitaire, l'ambiguïté, l'incertitude. Mais ça n'empêche aussi qu'elle était une période panachée des moments familiaux intimes dont on a apprécié des beaux moments avec nos parents, avec nos proches. Sur le plan professionnel, j'ai essayé d'investir mon temps à lire et à assister aussi à des vidéoconférences en ligne, comme celle de l'Association française des bibliothèques, dont on a essayé d'échanger des idées avec des collègues européennes et avoir des solutions pour surmonter cette crise, aussi bien les webinaires assistés par l'AFLI et l'Union arabe des catalogues. Sans oublier que j'étais toujours en contact avec les étudiants-chercheurs, vu que je joue le rôle de la coordinatrice de ressources électroniques, d'où je reçois des emails de la part des étudiants qui posent des interrogations et demandent des explications sur la modalité d'accès des périodiques électroniques. Voilà, et j'espère que cette période s'empêche le plus tôt possible et qu'on retourne à la vie quotidienne. Merci et au revoir. Et ne pas oublier de vous porter bien et surtout de rester chez vous.